Ah, il vient nous saluer de temps en temps sur le web SDR. Ah, tu m'étonnes. Là, moi aussi, je suis en train de faire une vidéo et j'ai mon téléphone là juste à côté, là devant la caméra, là. Voilà. Autrement dit, au niveau du poste, on voit juste le Hertzmet. C'est tout, pas plus. Et j'ai le web SDR d'afficher justement là sur le téléphone. Et je peux te dire que là, ça arrose dessus. Hein. Ça passe fort dans le web SDR. Hachim, pourtant là, je suis à quoi? Je dois être à peu près à 1 km. Oh oui, ouais, je dirais à 1 km du web SDR et caché par la colline. Mais ça suffit pas parce que là, je vois ce que ça donne dessus. Ça passe fort dedans. Ah là, c'est sûr que sur le web SDR, tu dois bien m'entendre. Là, il n'y a pas de problème. Hachidikou. Ok, merci, tout ça retourné. Je rigole parce que je vois quelques réflexions là de. Il y a une petite chatte là dessus. Hein, sur le là vous le voyez pas à l'écran là comme ça, là, à la vidéo. Mais j'ai bien compris de qui viennent les messages. Alors, pour répondre, parce que j'imagine que la vidéo va être écoutée avec, hein, eh bien, je fais pas un web SDR pour faire la course, pour faire la compétition, pour être le premier. Je n'ai rien à cirer. Le web SDR est en place pour les copains, c'est tout, les copains et les amis. Voilà, c'est tout. Hein. Ah, le web SDR est là pour les copains, les amis, pour montrer aussi, pour promouvoir, redynamiser la CB, parce qu'il n'y a que la bande 27 mégas, que la bande CB là qui est dessus. Pour parler de la CB, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'en mettre plein la vue. Je joue pas à ça, moi. Être en concurrence, un truc comme ça, ça m'intéresse pas, je joue pas à ça. Là. Il y a assez de nombrilistes sur les réseaux sociaux.
Pour le choix du logiciel, c'est Open WebRx Plus. Voilà, Open WebRx Plus. Et c'est pour rester dans l'esprit du libre. Radio libre. Radio publique libre. Logiciel public libre. Ça casse la baraque! Putain, oui! Alors, sur la Gironde, justement, les problèmes de pollen commencent déjà à arriver. On est qu'au mois de février quand même. Alors, puisque là, il a enculé, Jean-Luc est enculé sur quelqu'un d'autre. Alors, le web SDR va être amélioré par la suite. Hein. Là, tout est posé en vrac. J'ai plein de fils en vrac. C'est posé comme ça à l'arrache au milieu de tout ça. Eh bien oui, quand on travaille, on n'a pas le temps de tout faire d'un coup. Mais j'ai prévu d'isoler les différents trucs indépendamment l'un de l'autre. Le Raspberry Pi 5, j'ai prévu de l'enfermer dans un coffret métallique. Le module RTL SDR V4, pareil, j'ai prévu de l'enfermer dans une boîte métallique. Ah, pas du côté de la Gironde en tout cas, ça passe toujours aussi fort. Ah ben tu m'étonnes, ça passe à fond là de mon côté. Ah oui, 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 comme dirait l'autre, c'est dans la boîte, hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ah zut. Oui, affirmatif, c'est ça. Je suis sur la colline de Castillon-la-Bataille. Castillon-la-Bataille, Saint-Magne de Castillon. Je suis en plein sur la colline. Voilà, je suis dans la gadoue. J'ai posé la voiture en plein dans la gadoue. Ça va être marrant pour repartir. Là, j'ai eu du mal à te sortir, pourtant tu passes fort, mais j'ai eu du mal à te comprendre. Là, je suis en plein dans les chemins, entre les rangs de, pas entre les rangs de vignes, mais dans les chemins là, de vignes et tout ça. J'ai de la vigne partout autour de moi. Il y a les tracteurs qui sont passés par là, il y a des trous d'eau, je suis là, les quatre roues là-dedans. Et la voiture, elle fait pas 4x4, hein. C'est pas du tout. Alors ça risque d'être marrant pour repartir là tout à l'heure. Oui, je suis dans la gadou, gazou, je suis dans la gadou. Oui, la gadou, ça n'arrête pas.
Mais en ce moment, c'est vrai qu'il pleut beaucoup là chez nous là. Alors que dans le sud de la France, du côté des Pyrénées-Orientales, ils sont en sécheresse extrême. Alors que nous, par contre, de l'eau, on en a à foison. Hein. On en a partout de l'eau, nous, ici. Et dans le nord de la France, eh bien, ils sont en plein en inondation et tout. Hein. Sur le Pas-de-Calais, là, par là-bas. Là. C'est là où ils sont en plein, il y a encore des inondations. C'est bizarre cette année, la météo. Hein. C'est vraiment pas ça. Et puis là, quand je vois la température qu'il fait aujourd'hui, tiens, mais on pourrait presque aller à la plage. Des chances. D'ici que tu te retrouves avec l'antenne entière bouchon, c'en est pas loin. Ouais. Là, mais c'est vrai que là, ouais. Déjà, l'été dernier, on a quand même pas mal grillé. Quand je vois les températures qu'on a eues, nous, ici, c'était waouh. L'été prochain, si ça continue comme ça, ça promet. Hein. Qu'est-ce que j'ai entendu à la télé? Que là, on serait, oh, je sais plus, 10 ou 12 degrés, je sais plus. Au-dessus des normales saisonnières. Je me souviens plus. Il faudrait que je regarde ce soir. Ah ben non, ce soir, on n'est pas là. Il faudrait que je regarde à la télé et que j'écoute ça de plus près. Mais on est largement au-dessus des températures normales saisonnières. Quoi. Parce que oui, comme tu dis, on n'est qu'au mois de février, c'est tout. Là, c'est le plein hiver, là, normalement. Quoi. Oh oui. Ouais, merci. Comme c'est parti là, il y a des chances, oui, effectivement. Hein. C'est bizarre. Et je vois l'été dernier, même prendre la moto, non, c'était même pas envisageable. Il faisait trop chaud. Pourtant, toi, là, j'aime bien prendre la moto et tout ça, là. C'est plaisant, mais avec des chaleurs comme ça, non, c'est pas possible, tu crames, ben, t'as trop chaud, même là-dessus, quoi. Quand tu roules en moto, bon, faut quand même mettre la tenue, faut quand même se protéger, parce que bon, ben, l'accident n'est jamais loin, surtout vu comment les gens roulent ici, là, sur la 14, je sais que du coup moi l'été dernier je l'ai presque pas pris la moto hein. C'était beaucoup trop chaud hein. Je connais ça un peu, j'ai fait de la moto pendant 15 ans.
Ah, quand même. C'est sûr, oui. Oh oui, c'est sûr. Par contre, là, je suis en train de regarder l'heure. Ben, peut-être, ouais, ici, sur la 14, il est 15h45. 3h45 p.m. Va falloir quand même que je me décide à bouger. J'ai quelques courses à faire. Il faut que j'améliore l'emplacement là du web SDR. Parce que là où il est posé, c'est un nid à QRM. Et tout est en vrac. Les câbles électriques sont mélangés avec le câble réseau de l'ordinateur, avec le câble d'antenne. Tout est mélangé là. Donc c'est normal que ce soit un nid à QRM. Et je vais isoler tout ça, je vais tout déplacer là, dans un placard, mettre tout ça dans des boîtes métalliques, dans des boîtes métalliques suffisamment grosses, là pour que ça soit isolé des parasites, des QRM. Il faut que j'améliore ça. Bon, ça se fera pas une journée, parce que bon, avec le pro et tout, et puis ce soir l'XYL veut qu'on aille au restaurant, à Hachy. Mais bon, il y aura quelques coupures hein, de toute façon dessus. Faut que je recherche chez moi des PL, des prises. Et il faut que je refasse le câblage, que je refasse tout bien propre pour que après ce soit plus cuirot, plus propre. Allez, je te laisse. Les bonnes 73 à toi. J'imagine que Gilles doit être derrière également, en train de boire son café, en train de rentrer les noms sur Cluster DX. Les 73-51 à l'ensemble des Tanans, et merci de m'avoir fait rentrer dans le QSO, et bon QSO de votre côté, à tous là les Tanans. Merci, bon après-midi, et dimanche, de toute façon, je travaille en journée. Alors, je verrai demain pour être en QSO, c'est pas gagné, c'est pas sûr, parce que j'ai pas mal de trucs à faire également, comme tout le monde, hein. Tout le monde a ses affaires à faire chez soi, donc je verrai si j'ai le temps de prendre le micro demain. Dimanche, je sais que ce sera pas possible. Bon QSO, bonne journée, et vu l'heure, ah ben non, il est encore trop tôt là pour vous. Allez, bon gastro solide pour tout à l'heure à midi. Bye, merci beaucoup. Bon, allez. Zut, j'ai oublié de régler l'heure de truc. Bon, il est 15h40. Ah ben, je vais te donner l'heure de toute façon, 48 maintenant. Allez, faut que je me sorte de là. Là. Ne pas faire patiner la voiture. Alors, une voiture électrique, là, c'est marrant. Ah, je disais, là, d'un terrain comme ça, avec une voiture électrique, c'est marrant. Parce que c'est beaucoup plus léger de devant, ça patine de suite. Là, tout le poids est sur les roues motrices, c'est bon. On va les perdre tout doucement.
voyez, déjà ça a changé là. Sur le même secteur que Gilles, que 9 Bravo Charlie 555, et on voit bien qu'au niveau du terrain c'est excellent là où ils sont. Ah, faut pas qu'ils déménagent de là eux deux là. C'est sur cette colline que j'aurais dû faire construire la maison. Ah ouais. Tiens, à la place de la maison qui est à droite. Là je redescends du côté de Castillon-la-Bataille. Ça passe bien chez moi, imaginez là-haut. Une station fixe là-haut. Alors là, c'est royal. Ça serait peut-être même trop. Je serais obligé de baisser le RF1 là pour le coup. Bien quand même là. Oh, il y a un camion qui est venu se foutre là. Je me demande s'il passe pas plus fort que Gilles même. Voilà, j'approche de la grande surface du coin.
Ici on est Saint-Magne de Castillon et Castillon-les-Batailles. Qu'est-ce que je fais moi? Ah ben si. Ah oui, aujourd'hui c'est surtout la EQSL qui fonctionne avec le site Cluster DX. Je suis dessus également. Là, on a un plein QRM. À tous. 14 km, 33-01 Rémi. Dundee 33. Voilà, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à Saint-Magne de Castillon, Castillon-la-Bataille. Pour le QTH de là où je suis arrêté. Et bon QSO! J'ai pas envie de couper, quoi. Allez, si, il faut. Du coup, de retour. Quand la propagande là, ça chatouille, ça gratouille. Mais bon, faut que je rentre quand même au cuir. Hein. De faire ses premières heures de conduite. Ah ben là évidemment. Hey, c'est Cédric, non? Cyril? Oh je sais plus. Je suis pas loin de la vérité hein, au niveau prénom. Bon, le tout est de ne pas toucher le micro, sinon c'est foutu pour moi. En plus, j'ai l'XYL qui m'attend au cuir. Aïe, aïe, aïe. Alors, 20 km/h. Eh oui, on a tous débuté à un moment donné. Faut pas que je prenne le micro. Sur ton côté, en plus, ensuite, en fin de tournée, il y a d'autres stations qui rentrent dans le QSO. On va
je vais me coltiner jusqu'au bout. Hein, 30 à l'heure. Hein. Ça, pour moi, c'est la toute première heure de conduite. Ouais, il y a des chances. Faut bien que ça se fasse, hein. Faut bien que ça se fasse. De ceux qui sont là. Ah bah alors là c'est royal. On coupe les 73-51 de la planète Sibi francophone.